Vous vous demandez peut-être quelles sont les compétences de base à avoir pour devenir secrétaire en 2021. Alors, que ce soit en 2021 ou en 2020, je pense qu'il n'y ait pas grand-chose qui ait changé entre décembre et janvier. Cependant, je pense qu'il y a quand même réellement des compétences à avoir pour pouvoir devenir secrétaire et éventuellement par la suite secrétaire indépendante. Donc, même si, je le redis, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de diplôme particulier, il est cependant important d'avoir des connaissances de base et éventuellement de les développer par la suite. Donc, peut-être que vous avez envie de devenir secrétaire, peut-être que vous avez envie, c'est un nouveau métier, peut-être que vous n'avez pas les diplômes, que vous faisiez complètement autre chose avant et que c'est un métier qui vous intéresse, voilà, vous sentez que ça peut correspondre un petit peu à votre personnalité, à vos objectifs professionnels. Voilà, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de trouver un métier dans lequel vous allez vous épanouir. Et effectivement, le métier de secrétaire est très riche dans la multitude de choses qu'on peut se retrouver à faire en fonction toujours du domaine d'activité dans lequel on va intervenir. Donc, les compétences qui à mon sens et d'après toujours mon expérience et tous les domaines d'intervention dans lesquels j'ai pu évoluer, je pense que le premier va être d'être organisé. Voilà, c'est une compétence, c'est une qualité aussi, mais voilà, c'est une compétence parce qu'une secrétaire se doit d'être organisée dans son travail pour être efficace et performante. Donc en fait, c'est un point principal qui va faire découler un petit peu tout le reste. Voilà, parce que si vous êtes bordélique dans la gestion de votre travail au bureau, ça va être très compliqué de gérer les tâches qu'on va vous donner à faire. Donc voilà, d'être organisé va être un élément très important, je pense. Donc ça s'apprend aussi. Beaucoup de personnes ne sont pas forcément organisées chez elles, peut-être bordéliques dans leurs affaires, etc. Mais elles ne sont pas pour autant bordéliques dans le travail. Voilà, c'est deux choses un petit peu différentes. Donc, savoir s'organiser au travail est très important. Deuxième compétence assez importante va être la maîtrise des outils informatiques. Actuellement, on ne peut plus être secrétaire avec simplement un stylo et un papier, c'est pas possible. On est forcément confronté aux outils informatiques, aux ordinateurs, aux imprimantes, aux scanners, aux téléphones, voilà, et je dois certainement en oublier. Donc on est obligé de savoir se servir des outils informatiques ou en tout cas d'être à l'aise avec et de les appréhender rapidement. Voilà, même si bien évidemment que d'un endroit à l'autre les machines ne sont pas exactement les mêmes, etc. Mais il faut être à l'aise avec et savoir les prendre rapidement en main. Voilà, donc ça c'est quand même très important. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est lié à l'orthographe. Donc ça c'est très important, je le redis encore une fois. C'est pas grave de faire certaines fautes. Ce qui, moi, en fait, je pense, est très important, c'est de faire des fautes qui ne se voient pas. Parce qu'en fait, il y a des fautes d'orthographe que parfois d'autres ne vont pas déceler parce qu'elles sont petites, que c'est une petite erreur qui ne saute pas aux yeux, en fait. Mais après, voilà, d'ordre général, il est important d'avoir une bonne orthographe, même si les outils informatiques nous aident à les éviter au maximum. Mais parfois, l'outil informatique passe à côté de certaines erreurs et nous, il faut qu'on puisse les voir et éviter qu'il n'y en ait trop dans un seul document. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc si vous n'avez pas cette compétence, il est quand même assez important de vous former là-dessus, d'apprendre, de pas avoir honte de faire ses fautes, de travailler dessus et de trouver les bonnes méthodes pour éviter d'en faire et d'en faire des trop grosses. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Après, dans les compétences
nécessaire. Moi, je trouve que la qualité rédactionnelle va être très importante. Donc, ça ne va pas être mis en avant forcément dans les recherches d'emploi que vous allez faire, mais on en revient toujours à cette qualité de rédaction qui, en fait, tourne un petit peu autour de tout ce qu'on peut vous demander. Si vous savez, accorder les mots et finalement en faire des belles phrases et des beaux documents, ce n'est que mieux parce que vous allez vous retrouver constamment à devoir rédiger des documents quels qu'ils soient. On ne parle pas uniquement que de courriers simples ou de devis ou de factures. Et de toute manière, dans ce type de document, ben, à un moment donné, il faut quand même créer des phrases. Donc voilà, il faut vous dire que vous allez recevoir quelques mots de la part de votre employeur ou de votre client, si on parle indépendant, et que de ces mots, vous allez devoir en faire des phrases et de ces phrases, en faire un texte. Et ce texte doit être cohérent, doit avoir un ordre de rédaction. Il doit y avoir une chronologie et une logique dans ce qui aura décrit. Donc ça, c'est assez important. Voilà, une bonne qualité de rédaction. Mais ça aussi, ça s'apprend. Ça aussi, c'est à force d'entraînement, c'est à force de pratiquer que l'on finit par avoir une aisance à la rédaction en fait de tout type de documents et qu'on prend rapidement ces documents en main pour en faire de jolis documents en fait. Ensuite, compétence assez importante en fonction de l'activité que vous allez vouloir développer ou en tout cas dans quel domaine d'activité vous allez vouloir intervenir, il va être quand même assez pratique, on va dire, de savoir frapper rapidement à l'ordinateur. C'est pas forcément une compétence obligatoire, mais ça va être un plus si par exemple vous n'avez pas d'autres compétences, mais que vous arrivez avec celle-ci en disant voilà, moi je suis pas hyper organisée, j'ai pas les diplômes, je fais quelques fautes, etc. Mais si par contre vous tapez super vite à l'ordinateur et que ben, en fait votre futur employeur ça va le soulager de savoir que tout va être rapidement frappé par exemple. Voilà, donc ça peut être une compétence assez intéressante et d'autant plus importante si jamais par contre vous voulez être secrétaire indépendante et faire de la retranscription audio. Ce sera un gain de temps et donc plus de rentabilité pour vous. Donc ça, voilà, ça, c'est des compétences assez importantes. Après, on va retrouver tout ce qui est logiciel interne à l'outil informatique. Donc là, je pense essentiellement au traitement de texte, au tableur. Voilà, tout ça, c'est bien de savoir s'en servir, mais surtout de prendre encore une fois en main rapidement n'importe quel logiciel. On est dans le avec ça dans la qualité d'être dégourdi en fait, de polyvalence, etc. On en revient toujours un petit peu à ça parce qu'en fait ça fera de vous une super secrétaire. La secrétaire ultime, celle que tout le monde veut, c'est la secrétaire polyvalente, efficace, performante, celle qui sait un petit peu tout faire et surtout qui réagit au quart de tour, voilà, et qui est donc super efficace. Dans les compétences à avoir, il va également falloir avoir une bonne expression orale. Donc, on a parlé de la qualité de rédaction. Très bien. Souvent, certaines personnes s'expriment mieux à l'écrit qu'à l'oral. Mais l'oral a aussi une grande importance dans ce métier parce qu'on est souvent, on se retrouve souvent avec les clients, avec les fournisseurs, avec éventuellement les confrères en fonction du domaine d'activité dans lequel on est. Il va savoir falloir répondre au téléphone. Voilà, donc tout ça, c'est savoir s'exprimer, savoir présenter l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est faire bonne impression dès le départ dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc ça, c'est très important, mais faire bonne impression aussi physiquement. On n'est pas obligé, donc je le dis, en tout cas, c'est pas du tout mon style, d'être en talons aiguilles, en mini-jupe, tiré à quatre épingles, pas forcément. Il suffit d'être présentable, d'avoir une image propre. Il faut que la personne qui arrive dans l'entreprise, elle va vous voir vous en premier parce que vous êtes la secrétaire,
il faut qu'elle ait tout de suite une bonne impression, quelqu'un de propre qui représente l'entreprise en premier abord. Voilà, donc ça c'est très important d'avoir une bonne présentation, une bonne façon de se présenter, de présenter l'entreprise dans laquelle on travaille. Autre compétence qui est de base et qui est aussi très nécessaire, surtout si on n'a pas de compétences dans de domaines particuliers, ça va être la hiérarchisation et le classement de documents. En gros, savoir organiser les documents que l'on va vous donner, savoir les classer, les organiser au sein de l'activité dans laquelle vous allez travailler. Parce que s'il n'y a aucune organisation dans cette paperasse, ça va vite être le bazar. Et quand on va vous demander d'aller chercher un document en particulier, vous ne saurez même pas par où commencer. Tandis que si vous avez organisé tout ce classement, qu'il y a un ordre précis, vous savez exactement à quel endroit aller chercher quel document, en fonction même des dates, etc. Donc ça, c'est... Voilà, il va falloir vraiment avoir une logique d'organisation de papier. Donc d'ailleurs, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo spéciale classement, si ça vous intéresse, si vous voulez le mettre en commentaire, si vous ne savez pas comment organiser des documents, donc que ce soit à titre personnel ou dans le cadre professionnel. Donc dites-le moi, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo spéciale classement, plusieurs façons d'organiser ces papiers. Voilà. Donc la hiérarchisation et le classement des documents, ça c'est une compétence qu'on demande à toutes les secrétaires et moi je trouve que, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme qui dit que vous savez classer des documents. Non, il n'y a que le fait que vous le mettiez en action qui prouvera que vous savez réellement le faire. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des compétences de base, donc vraiment le plus basique qu'on puisse demander à une secrétaire. Bien évidemment, après, en fonction de chaque activité, de chaque domaine, on va retrouver des compétences spécifiques à chaque activité et surtout en fonction des demandes des futurs employeurs. Voilà, si vous voulez trouver un emploi de secrétaire, il va falloir surtout se fier à ce que l'on demande, donc dans l'annonce et éventuellement pendant l'entretien, il y aura forcément des tâches spécifiques dont je n'aurais peut-être pas parlé parce qu'elles sont spécifiques à l'activité. Donc si vous voulez être opérationnel avec des compétences de base en secrétariat, je vous conseille de vous former sur les lacunes, mais uniquement sur les lacunes que vous avez. Ça ne sert à rien de reprendre intégralement toutes les compétences et de vous reformer sur tout. Non, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est inutile. Si vous savez déjà faire quelque chose, il vous suffit juste de vous remettre dans le bain et de vous entraîner. Si par contre vous n'avez pas une compétence nécessaire, il est par contre primordial de la développer et après elle pourra vous permettre d'être complète sur les compétences de base de secrétariat. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés si vous voulez recevoir encore plus d'informations. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.